Bah, c'est ce que je te dis, tu peux avoir tout sauf des bonus. Genre, je veux la Frostmourne avec un bonus de 75 de dégâts à chaque coup. Mais techniquement, si tu me demandes une épée de main, je te le donne, une épée de main. Je suis pas raciste. Même par exemple, si tu veux utiliser le système d'armes plus, par exemple. Comment ça va par plus? Plus que dans le JDR précédent? Vous avez même pas eu le temps d'avoir des armes, en fait. Pourtant, c'était prévu. Si, si, prévu. Je comptais quand même pas vous laisser à poil tout le long de l'aventure. J'aurais pu avoir un joli râteau d'ailleurs. C'est dur à expliquer à l'écrit. Est-ce que vous alliez avoir un système de points de vie sur les ennemis et tout ça? Oui, c'était prévu. Il y aura toujours la possibilité de faire des coups critiques qui pourront tuer plus ou moins un ennemi. Ah oui, plus tard, oui. Je comptais faire en sorte que vous puissiez enchanter plus tard vos armes. Oui, je sais. Avec des enchantements de style passe les armures, passe. Enfin, je comptais pas faire spécialement passe les armures ou passe les trucs, hein, mais c'était dans l'idée, quoi. Donc la réponse est oui. Voilà. Non mais on finira par se comprendre, t'inquiète pas, Doué. Vu là où on doit aller, ça me fait chier. C'est dur la compréhension. En fait, ta phrase, elle avait un double sens. Est-ce que tu comptais utiliser plus les systèmes d'armes ou là, ce que tu essayais de me dire, c'est est-ce que tu vas avoir un système d'armes avec des niveaux plus? Donc, voilà. J'ai fini par comprendre. Il y a des grenades. On va aller chercher. Ah merde, c'est de l'autre côté. Putain, à côté du bureau des Stars. Bon, c'est là qu'on va voir si le jeu est bien codé ou pas. Si le tyran n'a pas son chapeau, c'est bien celui qu'on a croisé tout à l'heure. Sinon, bah, c'est que le jeu est juste mal codé. Parce que j'ai oublié de vérifier la première fois. Bon, il a bien pas son chapeau.
Hello le tyran, my old friend. Je sais que tu voudrais me tuer encore une fois. Mais je cours toujours plus vite que toi. Je serai toujours ton émoi. Mais dans le futur, je le sais très bien que tu vas mettre à l'amende. Parce que je suis un gland. Hello there, bless my old friend. I have come for you again. Je sais bien que le tyran est par là. Je sais bien qu'il faudrait que je passe à bas. Mais en courant, j'ai peur d'oublier des trucs importants. Encore une fois. Ah putain, il y a une chance sur deux là. Oui! On y arrive. Petit à petit, le baccal reprend ses marques. La pellicule, que je pose ça aussi. Ça. Du coup, on peut aller faire
On est bien ou on est pas bien? On est bien? Il est impossible de savoir s'il est au-dessus de vous, à côté. Ah putain, c'est à côté du début, ça. Hey, salut! Ah, t'es comme ça, mon Alucard. Tu pars en live sur ton truc et en même temps tu veux me juger quoi. Tut tut tut. Et du coup, c'était 209, je crois, le dernier. Ou 208. Tut! Bon. Faisons un bref récapitulatif. J'ai plus de balles. Mais j'ai des grenades. Le tyran me poursuit. Mais je suis pas sûr qu'il sache où je suis. Si on veut dire qu'il a une possibilité de savoir où je suis. J'ai quand même fait pas mal de bruit tout à l'heure. Vous voyez par exemple là j'ai l'impression qu'il vient vers moi. Ou alors qu'il s'en va. C'est dur d'évaluer le son. Alors je sais que c'est pour faire peur mais... Clairement, à ce niveau du jeu, j'avais plus besoin d'avoir peur, quoi. Salut, toi! Tu vas bien?
Redoué. La la la. The way of love is in your run. J'aimerais savoir un peu de l'heure sur les reins. Écoute, je te sens motivé. Je te sens motivé et c'est pas moi qui vais t'interdire de faire quoi que ce soit. Je te dis pas que je garderai tout. Clairement, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Je te dis pas que je vais tout garder. Et je te dirai ce que je garde et si c'était intéressant ou pas. Ça se trouve, ça me donnera une idée de l'or. C'est pas vraiment de l'or, de ce que je pourrais faire pour impliquer un peu plus ton personnage dans l'histoire. Ah, l'impliquer un peu plus profondément. Au plus profond de lui-même. Pas de soucis. T'avais écrit quelque chose d'assez intéressant sur les Dwarlocks. Je vais clairement pas être contre. The way of love. Is in your eyes. Ne sois pas là, ne sois pas là, ne sois pas là, ne sois pas là, s'il te plaît. Ne sois pas là, ne sois pas là, ne sois pas là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est déjà devant moi là?
Ça a marché. La 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 la. Je veux pas mourir, alors je cours vite. La 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 la. Je veux pas mourir, alors je cours vite. Parce que c'est un putain de boss. Et c'est ici qu'on finira ce soir. Sur Bakael, qui a fui comme une tata. Mais en même temps, ça aurait été bizarre que je fuis comme un homme, sachant que je joue Claire. Claire Redfield. L'équivalent d'UV Ball. Ça fait mal quand même quand tu commences à te comparer à UV Ball, non? Enfin, je sais pas. C'est pas un peu mal au cul? Pam 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 pam. Pam pam. Bam 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 bam. Ouais, enfin, UV Ball, plus que de ne pas savoir écrire, son problème, c'est qu'il a pas envie d'écrire en fait. De la mer. Pas ça non plus. Les glac glac glac. Tu veux pas t'appeler Warsong Non, parce que si tu commences à me faire les glock glock, ça veut dire que je suis obligé d'appeler les autres tribus orques avec des connotations pareilles, quoi.
que notre nom était ridicule. Ouais, enfin, il y a ridicule et ridicule, quoi. Je veux dire, à un moment, t'es pas obligé de passer pour un paysan du fin fond de la campagne, quoi. Mais je peux changer si tu veux. En fait, je veux rien, moi. Pour l'instant... Si tu trouves que Glor Glor, que ça passe bien, et que ça te permet d'avoir un leitmotiv, genre... tout le monde se moque du snon, et en fait, ça t'énerve, et... ça me va. Pas chiant, Bac. Enfin, chiant, mais... pas pour ça. Pas encore assez peu de mouvement. Il en faut combien? Un joyau et des poules. C'est quoi un joyau et des poules? En 7 manipulations. J'ai une amie qui s'appelle Timothée. Oh putain, la pauvre, quoi. Oh là là. Elle a dû ramasser à l'école. Les enfants sont cruels en plus. Timothée douche. Un ami. Il n'y a pas de E du coup en fait à ami si c'est une si c'est un homme. C'est Merde, Silent Hill fêtait ses 20 ans aujourd'hui. Oh, si j'avais su, on n'y aurait pas joué. Un. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, et je suis au minimum, quoi. 20 ans de quoi? Silent Hill. Je viens de voir ça sur Twitter. Mais de toute façon, c'est la fin du live, hein, les amis. Je sais pas pourquoi vous êtes encore là, mais... peut-être parce que vous êtes maso. Bien plus flippante que RE. Alors c'est plus flippant que Resident Evil, mais en fait on les a déjà fait en live en fait. Donc en soi il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pas faire moins. Hein. Faudrait le faire en facile en fait pour avoir moins de mouvement. Allez, on va tirer des grenades sur le tyran. Tu vas bien? Non, j'ai dit que Silent Hill avait...
en effet un côté beaucoup plus beaucoup plus terrifiant. En fait, à faute d'une ambiance beaucoup plus pesante et de thèmes un peu plus matures aussi, il faut bien le reconnaître. Ouais, mais faut pas oublier d'où vient Silent Hill, quoi. Sans Resident Evil, il y aurait jamais eu Silent Hill. Clairement. Ah, j'adore la tête de psychopathe que ça lui fait quand il a le visage cramé. Ils auraient dû faire le visage noir, en fait. Je pense que ça aurait bien fonctionné. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Et oui, en effet, sans Alone in the Dark, le genre de jeu n'aurait pas existé et ils n'ont pas tout le temps inventé que ça. Ils n'ont pas inventé le thème de jeu, sauf que c'est eux qui ont réussi à en faire un truc un peu plus démocratisé. Parce que oui, en effet, Alone in the Dark a beaucoup joué sur la création de ce type de jeu, mais faut pas oublier ce qu'on doit au Resident Evil non plus. Hello darkness my old friend. Même si la saga a beaucoup perdu de son âme avec le temps, allez, je vous fais bisous. Bye bye.